Yo les amis, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur pvpwarcraft.net en mode Far West. Et oui, ça y est, je découvre pour la première fois la version comme vous. Pourquoi je dis je découvre? Parce que je n'ai rien branlé clairement sur cette version. Et mon objectif c'est de ramener des joueurs, faire découvrir le serveur à des autres joueurs et à des youtubeurs, et ramener de l'argent à Xtampette. Donc vous arrivez ici sur ce très joli spawn en mode Far West, évidemment, cowboy indien. Donc ça sera un système qui va revenir sur Warcraft. Vous allez pouvoir choisir votre clan. Et oui, quand vous allez choisir un clan, vous allez pouvoir avoir des effets assez spéciaux. C'est ça qui va être encore une fois intéressant dans ce PVP. Premièrement, vous arrivez, vous pouvez faire slash menu. Dans le slash menu, tu vas pouvoir retrouver un maximum de groupes, de classes, de ce que tu veux. Bref, t'as un shop. T'as les war items. Les war items, c'est tout ce qui est rare sur le serveur. Donc là, tu vois, il y a eu un petit bug. C'est ma connexion qui bug. C'est pas mal. Donc ici, tu vas avoir des scaffolds. Tu vas avoir de la dynamite. Tu vas avoir des outils. Tu vas avoir des claim finder. Tu vas avoir des bâtons. Tous ces items, ils sont assez rares. Ils sont assez chers aussi. Mais ça peut vous aider à évoluer très rapidement sur le serveur. Ici, c'est les seules pioches également. Je tiens à le préciser. C'est les deux pioches où tu peux utiliser pour ramasser tes spawners. Voilà. Faut être clair. Très clair même. Et ici, tu as les jobs. Tu connais les jobs, il y en a un peu partout dans tous les serveurs Minecraft. Par exemple ici, mineur, builder, fermier, bûcheron, pour gagner de l'argent très rapidement sur le serveur. Il y a le RTP, il y a des warps, il y a le faction, il y a le règlement, il y a les events. Oui, parce que maintenant on a mis en place les events, tout ce qui est KOTH, totem, les events Givol et tout. Vous allez pouvoir voir en temps réel quand est-ce que c'est. Le site web, le wiki et les grades qui sont disponibles. Donc il y en a vraiment une pas mal encore une fois. Ils ont fait un très bon boulot. Je vous ai parlé du slash menu. C'est très intéressant pour vous. Au moins vous êtes nouveau, vous n'êtes pas perdu. Ici vous avez la zone box les amis. Donc la zone box c'est où est-ce que vous allez pouvoir ouvrir vos keys que vous allez gagner. Il y a la big box, l'event, chance, la vote. La vote, c'est quand tu vas sur le site web de pvpwarcraft.net, tu votes, tu gagnes des points boutiques et des clés. Ça dépend, des fois c'est x2, des fois c'est des points boutiques. Ça dépend des mois. Je vais vous parler du classement faction. Le classement faction, les amis, il est 100% maison. C'est un nouveau système. C'est nous qui avons lancé ce développement, entre guillemets. C'est un autre système. Bon bref, peut-être que d'autres plugins factions le font, mais nous, c'est nous, c'est notre sauce pour éviter tout souci en fin de mois, les factions qui bug, les factions qui disent ouais, si, ça, ça. Bref, là maintenant, les amis, pour être dans le classement faction, c'est très simple. Tu gagnes des points quand tu claims, tu gagnes des points quand tu gagnes des totems, tu gagnes des points quand tu fais des KOTH, tu peux acheter des points aussi si tu es riche. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux gagner des points aussi. Bref, c'est très simple, hein. Tu fais slash F et tu peux voir le top faction et voir toutes les factions déjà qui sont numéro 1. Donc il y a la Sinistral, il y a la Volcano, il y a tout le patatrin là, tous ceux qui sont en train d'arriver dans le game tranquillement. Oui, parce qu'on est samedi, le serveur vient d'ouvrir, je préfère vous le préciser. Donc ce classement faction, il est très cool, très simple à utiliser. Et c'est ça, je pense, qui peut vous plaire, les amis. Parce que vous savez très bien, quand vous avez une faction, c'est un groupe de potes. Vous êtes ensemble, vous êtes là pour de la compétition, avoir une bonne réputation, avoir une bonne image de votre faction. Donc je pense que ce type de classement peut vous aider. Donc ensuite, dans le spawn, vous avez un top mort. Donc voilà, et vous avez un top kill, tout simplement. Ici, vous avez une petite arène. Quand tu arrives dans le spawn, tu peux faire des 1v1 avec des ennemis ou les gens qui te font chier un petit peu. J'ai coupé le chat hein, pour ceux qui sont en train de se dire « Putain, mais je regarde la vidéo, il n'y a pas de chat Minecraft. » Non, et je vous mens pas. J'ai coupé le chat parce que ça floude énormément dans le chat, que ça soit les votes, que ça soit les totems, que ça soit les joueurs qui demandent des questions. Bref, c'est un truc de ouf. La map fait 20k sur 20k. Je vous le dis comme ça, c'est cadeau, je vous l'offre. En tout cas, les amis, j'espère que vous serez nombreux à venir découvrir cette version. Voilà, c'est une nouvelle version, c'est une nouvelle saison. On est parti ensemble avec toute l'équipe de PvP Warcraft pour vous amuser, faire des petites animations, des karaokés, des giveaways, des animations mini-jeux ensemble. Bref, j'espère que vous êtes prêts de votre côté. J'espère également que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde va bien de votre côté, parce que c'est vrai que c'est notre rôle en tant que fondateur de passer de bons moments. Quand vous arrivez chez nous sur le serveur, c'est voilà, ne pas penser à tout ce qui se passe autour, rester dans la bonne humeur, dans le positif, c'est très important avec ce qu'on vit actuellement. Bye bye, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis si t'as kiffé, n'hésite pas à commenter. Je vais voir s'il y a encore des gens qui vivent sur cette chaîne YouTube. Merci, bye bye tout le monde.